Eh bien salut à tous les amis, je suis Trunks le Panda et je suis là, je suis de retour sur YouTube. Waouh, magie. Mais que s'est-il passé? Pourquoi cet homme était absent pendant plusieurs mois? Eh bien je vais vous expliquer en quelques mots pourquoi j'étais pas là. Tout simplement il s'est passé beaucoup de choses ces derniers mois tout de suite, commençons par le commencement. J'étais parti au mois de décembre en voyage au Japon avec ma femme. Et à mon retour, j'étais déjà très très fatigué. J'ai mis 2 semaines à m'en remettre parce qu'en fait, on a fait un voyage de 2 semaines et on n'a pas arrêté une seule minute. Donc on est allé partout dans tous les sens, donc c'était épuisant. Et quand je suis rentré, j'ai juste hiberné totalement en rentrant chez moi pendant 2 putains de semaines. Et ensuite, je me suis dit, bon ben voilà, je vais revenir sur YouTube. D'ailleurs, j'ai fini le let's play sur Murder Soul Suspect. Mais juste après ça, en fait, j'ai eu pas mal de boulot, en fait, tout simplement. Il y a eu, février-mars, c'est une période où j'étais sur plusieurs projets et j'ai eu pas mal de choses et j'ai juste pas du tout eu le temps de vous faire des vidéos. Là, c'était en mode vraiment pas le temps. Enfin si vous voulez, j'avais un jour de repos par semaine. Mais bon, je suis pas psychopathe, moi, quand j'ai un jour de repos, je me repose. Voilà, je fais pas non plus 4 vidéos dans la journée. Voilà, j'ai quand même besoin un peu de me reposer, de jouer tranquille sur mon canapé dans mon coin, avec un paquet de chips, et j'ai besoin de me détendre un peu, voilà, non pas que les vidéos ça me frustre ou quoi que ce soit, hein, ça me détend aussi, mais c'est quand même une activité qui demande de l'énergie, donc voilà, c'est pas rien. Donc j'avais beaucoup de boulot, j'avais besoin de repos, et après ça, une fois que cette période de intense de taf est passée, eh bien, l'envie de vous faire des vidéos était là, mais j'avais en même temps besoin d'une pause, une vraie pause de YouTube. J'entends par là, j'avais besoin de faire une pause dans les vidéos, dans la production de vidéos, et une pause dans le fait de regarder des vidéos. Alors, je regarde toujours des vidéos sur YouTube, mais tout ce qui est communauté, jeux vidéo, collectionneur, tout ça, j'ai fait une vraie pause. Là, ça fait 3 mois que j'ai pas regardé une seule vidéo des copains. Que ce soit de Fox, de Gorgul, de Hayato, même ici Hayato était aux États-Unis, il faisait pas de vidéo, mais de tout le monde, j'ai regardé aucune vidéo. Donc voilà, je pourrais pas rattraper mon retard, c'est pas possible. Donc je regarde des vidéos de temps en temps, que ce soit de n'importe qui, de Lovecraft, de n'importe qui. Je regarde des vidéos de temps en temps, mais je peux pas tout regarder, c'est pas possible. Voilà, j'ai quand même une vie. Mais en tout cas, voilà, pendant 3 mois, j'en ai pas regardé du tout et je n'en ai pas fait du tout parce que voilà, j'avais besoin d'une pause. Parce qu'au bout d'un moment, il faut vous dire que ça peut gaver de tout. Hein. Quand vous faites un truc trop, ça peut gaver. De faire trop de vidéos, ça peut gaver. De faire trop d'un truc, ça peut gaver. Et j'ai pas envie d'être gavé, moi. Donc, quand je commence à ressentir la non-envie, j'ai envie de vous dire, quand je commence à ressentir, par exemple, je suis en train de faire des vidéos comme ça un peu tous les jours, et quand j'en ai un peu marre, eh ben je fais une pause. Ça peut arriver une fois dans l'année, ça peut arriver une fois tous les 3 ans, mais de temps en temps, j'ai besoin de faire une pause, une vraie pause. Alors des fois, c'est une pause d'une semaine, des fois, c'est une pause de 2 semaines, des fois, c'est une pause de 3 mois. Et le problème, c'est que, enfin, en général, je vous préviens, mais là, vu que je vous ai dit avant que j'avais eu pas mal de taf, j'ai pas eu le temps de vous prévenir, ou alors, il fallait vraiment que je le fasse à l'arrache. Et après ça, j'avais juste pas du tout envie de faire de vidéo. Donc que ce soit tourner un vlog comme celui-ci pour vous en parler, j'avais pas envie non plus. Mais j'ai pensé à vous quand même chaque jour. J'ai eu plein d'idées pendant tout ce temps. Enfin plein d'idées des trucs que j'avais depuis un moment. Mais voilà, j'ai envie de vous faire des nouveaux formats. Il s'est passé plein de choses. Et aussi une autre chose qui fait que j'ai pas pu trop faire de vidéos pendant ce temps, c'est que j'avais des problèmes de PC. Alors il faut savoir que pour tourner mes vidéos, j'ai besoin de 2 PC. En fait, j'ai un PC fixe avec lequel je tourne mes vidéos de Let's Play et avec lequel je monte les vidéos. Et j'avais un PC portable qui me servait à gérer tout ce qui était micro, caméra, tout ça. Et à faire un peu de montage quand j'étais pas chez moi. Ce PC portable m'a lâché. Je vais le réparer prochainement quand j'aurai un peu de sous, mais il m'a lâché. Et mon PC fixe, il ramait de plus en plus et du coup, ça devenait très très compliqué de faire les montages. Vraiment c'était la galère, je passais des heures pour des trucs que je fais normalement très rapidement parce que c'est quand même mon boulot normalement de faire du montage. Et le truc c'est que j'avais un peu de sous de côté, j'ai eu un peu de sous voilà à droite à gauche et je me suis monté un nouveau PC
une machine de guerre. Donc oui, je suis passé du côté obscur de la force, je suis retourné du côté des PCistes. Oh mon dieu, Trunks le panda n'est plus un consoleux. Alors si, j'aime toujours jouer sur console, mais c'est vrai que maintenant j'ai une machine de guerre en PC. Donc c'est vrai que je joue aussi beaucoup plus sur PC que je ne jouais avant. Et surtout, bah, j'en avais besoin pour travailler, voilà, parce que je suis dans l'audiovisuel. Et j'avais besoin d'un PC de montage, un PC puissant, parce que c'était plus possible à l'heure actuelle. Du coup, je me suis monté un nouveau PC, hyper bourrin pour le montage, et qui me permet aussi de jouer à des jeux très récents, de manière très fluide. Et ça va aussi me permettre, du coup, de vous refaire des vidéos de qualité, même encore plus qu'avant, parce que je vais me permettre plus de choses grâce à cette nouvelle machine. Et je vais aussi reprendre autre chose que les vidéos comme je faisais avant, quelque chose d'hebdomadaire que je faisais il y a un certain temps. Alors je pense que certains d'entre vous ont compris quand je dis hebdomadaire et en rapport avec le nouveau PC. Eh bien oui, je vais reprendre les lives. Ah ! Ah, c'est dégueulasse ! Mais... Non mais je rêve ! Ah non, je crois qu'on voyait sa bite au début. On la voyait pas, mais quand même. Et j'avais jamais vu ça encore. La bite à Dicket, quoi. Je vais reprendre les lives. Alors, a priori, je pense que je vais reprendre un rythme de live comme j'avais à l'époque, c'est-à-dire un live par semaine, sûrement le vendredi soir. Il n'y a rien de sûr encore. Je vous refais une annonce un ou deux jours avant le premier live. Mais je vais sûrement reprendre les lives hebdomadaires. Enfin, c'est même sûr que je vais reprendre les lives hebdomadaires. Parce qu'en fait, je ne pouvais plus streamer avant pour deux raisons. La première, c'est que mon PC ne tenait plus le stream. C'était plus possible, ça ramait trop. Et deuxièmement, j'avais des très gros problèmes de connexion. Mes problèmes de connexion sont réglés. Bon, j'ai pas une connexion parfaite. Hein. Des fois, il y a des baisses de débit. Donc voilà, il peut y avoir des petits problèmes. Mais a priori, j'ai une connexion qui est relativement stable. Et j'ai un PC qui tient largement la route, qui est même plutôt très puissant. Et du coup, je vais pouvoir vous faire des streams de qualité. Donc, je pense que certains d'entre vous seront contents, peut-être ravis, je ne sais pas. En tout cas, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé « Hey Trunks, quand est-ce que tu reprends les lives ?» Tout ça. Donc voilà, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas jusqu'à présent, mais maintenant, je peux. Voilà, donc ça va arriver très bientôt. Et vous aurez remarqué aussi que j'ai changé d'avatar. Je n'ai plus l'ancien panda qui sortait la tête de l'eau en mode ninja espion. Mais j'ai enfin un avatar personnalisé qui a été dessiné par Gaelink, alias Canard, qui est déjà venu faire une vidéo avec moi il y a assez longtemps sur Chivalry et qui reviendra faire des vidéos, ça, il n'y a pas de souci. Et du coup, il m'a dessiné ce panda Trunks, ce Trunks le panda à mon effigie, enfin, qui correspond du coup à mon personnage. Et je l'ai incorporé dans un logo de Capsule Corp modifié pour que ça fasse juste un cercle et qu'il y ait le pseudo Trunks le panda juste en dessous. Il se peut que le logo évolue, qu'il change, qu'il soit refait, je ne sais pas. Mais pour le moment, il est comme ça. Peut-être qu'il restera comme ça toujours, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est une première version du logo. Je suis assez content parce que du coup, c'est vrai que j'avais pas d'avatar personnalisé. Et je trouve que c'est assez cool que j'en ai un maintenant. C'est pour ça que je lui avais demandé s'il pouvait me faire ça. Bon, après, il faudra aussi que je fasse une bannière et tout. Mais bon, ça, j'ai un peu la flemme. Donc voilà, tout ce que j'avais à vous dire. La pause que j'ai eue pendant plusieurs mois, donc j'en suis vraiment désolé, je m'excuse très sincèrement de ne pas vous avoir prévenu. La reprise des vidéos, la reprise des lives, je vais essayer d'un peu varier les contenus et de faire aussi de nouvelles choses que je ne faisais pas forcément avant. Donc forcément, il y aura toujours la reprise de ce que je faisais avant, c'est-à-dire les let's play, les vidéos de compte rendu. Même si j'achète beaucoup moins de jeux vidéo, il y a pas mal de choses que j'ai en retard, donc j'ai toujours des choses à vous présenter. Et je continue quand même de temps en temps à acheter un peu des jeux vidéo. Donc voilà, ça c'est la reprise des vidéos comme je faisais avant. Et il y aura aussi de nouvelles choses, sûrement des petites astuces du panda, des petits tutoriels peut-être. Mais ça, je vous en dis pas plus. Vous verrez ça d'ici quelques temps, d'ici quelques jours ou quelques semaines. Voilà, selon les vidéos, il y a des trucs qui vont arriver très prochainement. Il y a des trucs qui vont mettre un petit peu plus de temps. Et je vais finir sur une chose très importante. C'est que là, voilà, je me suis décidé à reprendre les vidéos, je suis plus que motivé, mais en même temps, je passe un peu dans une phase, là, en ce moment, dans ma vie, où j'ai pas forcément énormément le moral. Et je vais vous demander un truc un peu particulier, mais j'ai besoin de vous, en fait.
J'ai besoin de vous parce que j'ai besoin de votre soutien pour me remotiver, pour me redonner de l'énergie. Parce que là, on dirait que j'ai un max d'énergie. Donc, c'est vrai, j'ai un max d'énergie. Mais en même temps, voilà, j'ai besoin de vous donner cette énergie. Du coup, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de vos retours. Donc, n'hésitez pas. C'est important pour moi. Vraiment, je le dis pas pour... Je vais pas dire ce que je vais dire pour faire mousser, pour qu'il y ait plein de vues sur la vidéo, le vlog, je m'en bats les couilles. Hein. Cette vidéo, elle est juste pour vous prévenir, pour vous tenir informé. Mais je m'en fous des pouces verts ou quoi sur cette vidéo. Enfin, des pouces bleus d'ailleurs, ils sont bleus, ils sont pas verts. Je m'en fous des pouces bleus sur cette vidéo. Mais juste, si vous voulez me mettre un message d'encouragement dans les commentaires, ça me fera extrêmement plaisir. Si vous voulez me dire que vous êtes toujours présent, si vous êtes content que je sois revenu ou quoi que ce soit. Si vous vous en battez les couilles, vous pouvez le dire aussi. Si vous voulez m'insulter et me dire que je suis une sale merde, vous pouvez le dire aussi. D'ailleurs, petit message pour les rageux hein, qui insultent dans les commentaires ou quoi que ce soit. Vous pouvez y aller, moi je m'en bats les couilles, vos messages me font toujours beaucoup rire. Parce qu'en fait, le truc, c'est que moi, quand on m'insulte ou quoi que ce soit dans les commentaires, je m'en bats les couilles en fait. Je le prends pas du tout pour moi, donc vous pouvez y aller, vous pouvez me traiter de sale merde. Hein. Il y en a déjà qui m'ont insulté. Et je me ferai un plaisir de vous répondre avec amour, comme d'habitude. Donc voilà, vous pouvez y aller tant que vous voulez. Moi, je m'en bats les couilles, ok? Et du coup, voilà. Donc, si vous voulez faire un petit message d'encouragement, ça me fera extrêmement plaisir. En tout cas, moi, je suis content d'être là. Je suis content de vous retrouver. Je suis content de vous reparler et de repartager des choses avec vous. Donc voilà, si c'est réciproque pour vous, n'hésitez pas à m'en faire part dans l'espace commentaire juste en dessous de cette vidéo. Ça me fera extrêmement plaisir. Donc voilà, je compte sur vous, j'ai vraiment besoin de ça pour me remotiver à donf à faire des vidéos. Et du coup voilà, je compte vraiment, vraiment, vraiment sur vous, s'il vous plaît. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Donc on se retrouve très prochainement pour plein de vidéos, pour des let's play, des lives, des vidéos de compte rendu et plein d'autres choses, je l'espère. Je suis aussi en train de me renseigner pour du matériel pour faire refaire des vidéos à plusieurs, mais à plus qu'à 2, hein, à 3, à 4, ce genre de choses. Pour varier les contenus comme je vous l'ai dit avant, mais voilà, ça demande un investissement financier que je n'ai pas forcément pour le moment, donc voilà, ça va venir au fur et à mesure du temps que je vais pouvoir acheter le matériel nécessaire à ces projets, parce que moi je peux pas vous faire quelque chose de qualité dégueulasse. Voilà, moi je vous fais quelque chose, c'est que je vous le fais de qualité ou je vous le fais pas, mais j'aime pas faire des trucs dégueulasses, donc voilà. Ah oui, et les concours vous reprendre aussi, parce que forcément j'étais pas là, il n'y a pas de concours. J'en suis désolé, mais bien sûr, les concours vont reprendre aussi sur la chaîne. Donc voilà, je vous continuera à vous faire gagner un jeu tous les mois ou tous les deux mois. Donc voilà. Eh bien les amis, je vous dis à la prochaine. C'était Trunks le Panda. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Bye.